Jean-Charles Dallot, vous êtes le tout nouveau vice-président chargé de la vie sportive et associative sur le territoire, le pays de l'enfant, ce qui est celui de Jura Sud. Je suis ravie de vous retrouver pour une première à la télévision locale, juraweb.tv.com. Nous étions là au cours de cette manifestation qui réunit les sportifs du territoire en ce début d'année 2015. Alors sur l'ensemble du territoire de Jura Sud, nous recensons environ 2500 personnes, donc 2500 sportifs, enfants, jeunes, moins jeunes, qui fréquentent et qui pratiquent du sport sur notre territoire. Alors le territoire présente un environnement extraordinaire pour la pratique de sports très différents. Quels sont ceux qui émergent le plus ? Bien entendu, nous avons un ou deux clubs phares. Je pense notamment au club de Jura Sud Football, parce que c'est une identité qui dure depuis bien longtemps. Mais nous avons aussi, vous l'avez entendu tout à l'heure, le judo club de Morhang qui fonctionne beaucoup. Nous avons des clubs émergents comme le karting, le tennis. Nous avons les boules, ça soit sur Morhang, sur Vaulé-Saint-Claude ou sur l'Avancia. Nous avons le handball, bien entendu, mais ça c'est un club qui dure aussi depuis bien longtemps. Et nous avons aussi tous les sports, je dirais, qu'on ne connaît pas forcément, mais qui à terme deviennent l'endurance, comme aujourd'hui on vient de le voir, ou alors la course à pied. Attire le plus en plus d'adeptes. Voilà, déjà d'une part, puisque financièrement c'est des sports qui sont accessibles, il faut quand même le dire qu'aujourd'hui c'est important. Et surtout, les gens ont besoin de s'extérioriser et de voir le sport différemment qu'il pouvait peut-être être vu il y a une quinzaine d'années. Il y avait, je dirais, des visages des plus anciens aux plus jeunes. Alors on pourrait peut-être commencer en leur honneur par les plus anciens. Et ce qui caractérise notre territoire, c'est que nous avons comme notre troisième place sur le podium aujourd'hui, Monsieur Todeschini, parce que c'est des gens qui sont depuis 42 ans dans leur club. Très investis. Très investis, qui sont bénévoles dans leur club. Nous avons aussi à l'intérieur du judo, on les a pas cités, mais des gens qui depuis 20 ou 30 ans emmènent les athlètes. Nous avons au niveau de la pétanque des gens qui tous les week-ends déplacent sur la France entière, sur des concours. Donc oui, le territoire Jura Sud a cette particularité d'avoir des gens qui sont ici, qui sont nés ici, qui se plaisent ici et qui s'investissent ici. Alors là, vous parlez de sportifs qui sont à la fois sportifs, je dirais, côté scène, mais aussi côté coulisses, puisqu'ils forment, ils encadrent. Exactement. Nous avons la chance d'avoir des sportifs qui ont à leur tour été jeunes, mais qui sont restés dans le circuit et qui maintenant font partager leur savoir-faire et leur connaissances aux plus jeunes, ce qui fait qu'on a un renouvellement perpétuel. Mais comme l'a dit Serge Lacroix en aparté, on a un petit peu la peur que ça s'effrite, donc on met à disposition tous les matériels possibles et inimaginables pour que nos bénévoles restent dans nos clubs, et on y tient. C'est pour notre secteur, pour notre tout pour motiver. Voilà, pour notre territoire, c'est important que les clubs puissent perdurer. Quoi. Nous avons voulu, nous, la commission, puisqu'on s'est réunis plusieurs fois, on aurait pu. Vous avez vu le nombre de sportifs qu'on a pu récompenser aujourd'hui. 75% méritaient d'être sur le podium. Donc déjà, c'est trois sports qui sont pas forcément les plus médiatiques. Nous avons donc en premier lieu l'endurance équestre, et là nous avons voulu récompenser, comme je l'ai dit, le travail de l'homme, puisque 160 km au niveau endurance physique, c'est pas facile. Et de l'animal, j'allais justement venir là, puisque faire 160 km à cheval, il faut s'imaginer qu'il y a le cheval qui les fait aussi, donc il faut gérer l'effort, gérer l'animal, gérer l'humain, et c'est très important. Le deuxième, c'est notre petit pilote de karting. Alors lui, c'est la générosité, c'est l'envie, c'est le désir de désir d'apprendre et de connaître. Et là aussi, c'est la force de notre territoire, c'est que nous avons à la fois des gens qui sont, je dirais, mûrs et puis réfléchis, et nous avons à la fois des jeunes. Vous avez vu au niveau de la pétanque, vous avez vu au niveau du judo, vous avez vu les écoles qui font un travail de recherche et de travail sportif. Et là aussi, c'est la force de notre secteur, c'est d'avoir justement ce vivier très important. Et le troisième, c'est la sagesse, c'est ce qu'on disait, c'est l'assiduité, c'est le bénévolat, c'est le partage, c'est la fidélité, parce qu'aujourd'hui dans un club, avant tout dans un club, si un club veut pouvoir exister, il faut qu'il y ait des gens qui restent, donc il faut de la fidélité. Et Monsieur Todeschini représente tout à fait l'image que le territoire veut donner, de la stabilité, de la fidélité, du don de soi, et c'est très important pour nous.
Alors vous-même, Jean-Charles Dallot, vous êtes sportif, vous en faites certainement un petit peu moins depuis quelques mois, mais malgré tout, est-ce que vous étiez heureux d'être là pour récompenser ces jeunes avec vos collègues ? Alors, pour répondre à votre première question, j'ai été sportif. Oui, on peut dire ça. Oui, on peut se dire ça. J'en fais beaucoup moins. Si, ça, je me suis renseigné. Oui. Hein. D'accord. Donc, oui, j'ai été sportif. J'en fais beaucoup moins. Ça, vous aussi, vous avez pu vous renseigner. Ça, c'est une certitude. Mes chemises s'en plaignent assez. Par contre, oui, pour répondre à votre question, oui, je suis comme un poisson dans l'eau parce que, déjà, d'une part, je remercierai mon président parce que il m'a confié cette mission qui me va comme un gant. Je suis à l'aise quand je suis. Voilà, c'est pour ça que cette cérémonie était pas vraiment fraternelle, c'était sympathique comme le sport doit rester. Le sport doit être un vecteur de sincérité, doit être un vecteur, comme l'a dit Serge Lacroix et Pascal Garofalo, un vecteur d'insertion dans la vie sociale tous les jours, un vecteur de bien-être et de partage, de lien. Et si on sort de ce concept-là, si on ne considère pas le sport comme il doit être considéré, alors un jour ou l'autre, il nous file entre les doigts et il ne nous appartient plus. Merci. Voilà, mais c'est tout naturel, c'est moi qui vous remercie.